Bonjour à tous. Allez, après le quintet surprise de ce samedi, alors Genoviva, le gagnant facile, était ma dernière minute pour les pronos du cœur, les abonnés. Et puis le deuxième, le 1 à 32 contre 1, était tout simplement mon coup de cœur pour les abonnés. On va ce dimanche sur un quintet clodoaldien, le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud, au grand galop, avec là encore peut-être un risque de surprise. Pour moi, le handicapeur donne la course au 15 Times Boulevard, qui va avoir à ce point un boulevard devant lui pour gagner avec Maxime Guyon. Si tel n'est pas le cas, le 12 Alva, qui cherche son tiercé depuis un moment et qui finit toujours à la vitesse du vent, ce 12 me plaît au plus haut point. En haut de tableau, le favori de monsieur et madame tout le monde, il est tout le temps à l'arrivée, c'est le 4 au Palus Road. Donc normalement, ce favori-là ne devrait pas nous décevoir. Et puis le 10, Quartz du Houlet, c'est mon chouchou, je le mets tout le temps. Il retrouve son bon terrain, alors même s'il l'a déçu ces derniers temps, moi je lui reste fidèle, j'y crois. Le 5 Royal Sheik a démontré une certaine forme de qualité, il n'est pas régulier, mais il a la pointure d'un tel lot. En haut de tableau, Whispering Dream, ce rêve chuchotant me plaît par son nom. Il porte des couleurs classiques, entraîné par Pantal. Elle est toute neuve encore, elle n'a que 4 ans. Et son avenir est O'Hara. Régulière dans l'ensemble, ce numéro 1 a tout pour me plaire. Petit défaut dans la cuirasse, 60 kg. Mais ce poids, vu sa qualité, n'a rien de prohibitif. Et puis, Madame Colombo nous a sorti son petit cheval. Comme ça, elle nous l'avait mis la dernière fois et puis le cheval avait déçu. Il devrait mieux courir. C'est le 11 Leopardoccio. Ce numéro 11 est en forme, il a tiré un bon numéro à la corde, le numéro 2. Eh bien, on y va, on fait confiance à Madame Colombo qui régulièrement nous sort au hasard de grosses cotes. Et puis en haut de tableau, attention à la deuxième cartouche de Chapet. Il nous présente Empathique, monté par Christophe Soumillon. Ce cheval court peu, cette année irréprochable, deuxième et troisième en deux courses. On peut le reprendre en confiance. On va peut-être vers encore un quintet surprise. Soyez prudents dans vos jeux et bon dimanche.